jusqu'à présent bien. Et là, il est fini, donc on rentre et on clôture le week-end. Tout s'est bien passé? Ouais, nickel. On a pu bien travailler, essayer d'améliorer un peu la voiture. Ça s'est plutôt bien passé. Pas trop mal. On a essayé de garder la pression sur Kevin, mais apparemment il craque pas. Donc voilà, maintenant, je pense pas qu'on va encore insister. Donc, en plus, je pense pour faire ce temps, il faut vraiment prendre tous les risques. Et avec le championnat en tête, je ne peux pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ok, voilà, ça fait partie du sport et voilà, je suis content quand même. Bah écoute, très bien, hein? Donc voilà, on roule, on fait pas d'erreur, donc je suis très content jusque maintenant. Et prochainement, on te revoit en Belgique? Non, j'ai bien dit, c'était surtout pas un comeback, c'était un one shot, hein? Donc non. Peu de temps avec le bon setup de la voiture. À la fin de la journée, c'était un peu mieux. Donc, on termine 6, on était 6e fin de journée, qui n'était pas trop mal. Puis ce matin, dans la 2, j'avais une mauvaise note. J'avais, pendant les reconnaissances, un virage. Pour moi, c'était plus rapide et j'ai tiré tout droit. J'ai débloqué dans un champ, donc on ne savait pas partir tout de suite. On était un peu bloqué. On perd 8 minutes, donc depuis là, la rallye était finie pour nous. T'en vois où après? Condroit, ça c'est sûr, mais on va essayer de faire encore un ou deux rallyes. Le champion de Belgique, le Roulers ou l'East Belgium. Pas facile, hein. Hier on a crevé et on a perdu environ 1 minute. Et on a départ à 16e place aussi. Et non, c'est pas une bonne place pour départ le rallye, mais c'est comme ça. Maintenant on a 4e, je pense peut-être c'est le maximum. Avant le 3 pour nous, c'est comme ça. Avec le Skoda, je suis plein. Oui, c'est comme ça.